En fait, j'avais une autre proposition à vous faire. Comme je vous l'ai dit, j'ai parcouru votre CV. Je vais réfléchir, mais je vais voir d'autres candidats pour ce poste. Enfin, j'espère que vous avez d'autres propositions en tant que demandeuse d'emploi. Je joue ici ma dernière carte. Je comprends. Enfin, merci d'être venu, on vous rappellera. Donne-moi ce boulot, donne-moi ce poste, je sens que je vais faire une grosse connerie. Enfin, calmez-vous. Me dis pas de me calmer, donne-moi du travail. Mais pourquoi voulez-vous absolument ce poste? J'aimerais, je vais appeler ma secrétaire. C'est pas vrai, j'aurais quitté le bâtiment que t'auras déjà appelé la police. Mais bien sûr que tu le feras, t'es qu'un sale con larmoyant, qui croit tenir le monde dans le creux de sa main. Et si je te la troue ta main, tu crois qu'il va s'échapper? Vous êtes folle. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je suis comme tout le monde. J'ai 7 employés, j'ai envie de les garder. Et vous croyez que je vais pouvoir vous engager? J'en peux plus. Je suis plus rien sans travail. Je perds toute dignité. Je partirai pas sans mon travail. On va mourir ici ensemble. Ne faites pas ça, je suis père de famille. Et alors? Moi aussi, j'ai une fille, c'est pour elle que je fais tout ça. Que vous allez voir le poste? En me braquant? J'ai pas le choix, je peux plus retourner en arrière. Madame Firmin, vous êtes la prochaine, allez-y.